Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akéance Consulting et je vous reçois pour décrypter un phénomène assez particulier de la conjoncture. Je veux parler du coût du crédit aux particuliers qui reste durablement bas. Alors première question, comment l'expliquez-vous ? Comme souvent, l'explication est à la fois simple et complexe. C'est simple parce que l'argent est comme toute matière première. Quand le coût de l'argent est bas, alors le taux de crédit est bas. Le coût de l'argent, c'est le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Il est de 0,05% aujourd'hui. Entre parenthèses, les dépôts à la BCE sont même négatifs aujourd'hui à moins 0,2%. Par ailleurs, plus le taux d'emprunt de l'argent est long, plus le taux est élevé. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les taux longs sont comparables aux taux courts. Les swaps à 5 ans étaient à 0,25 il y a peu de temps et à 0,56 à 10 ans. On dit alors que les courbes de taux sont plates. Et c'est complexe parce que le prix de revient de l'argent pour une banque est aussi compliqué que pour une industrie. Il faut ajouter au coût de l'argent le coût du risque de taux, le coût du risque de liquidité, le coût du risque de contrepartie, etc. et le coût de gestion du crédit lui-même. Les taux de crédit sont donc très bas aujourd'hui, essentiellement parce que le coût de l'argent est très bas à court terme comme à long terme. Mais alors, on se demande dans ces conditions pourquoi tout le monde ne se précipite pas finalement au guichet des banques pour s'endetter. C'est ce que je vous recommande de faire. Blague à part, c'est encore un peu plus complexe que ça. Vous avez d'un côté des taux de crédit très bas, et les pouvoirs publics s'en félicitent pour faciliter l'investissement et donc la relance. C'est toute la stratégie de la BCE. Mais les mêmes pouvoirs publics s'organisent pour réglementer toujours plus le monde bancaire au titre, certes louable, de protéger à la fois le consommateur et la solidité du monde bancaire. C'est un peu schizophrénique. On accélère d'un pied et on freine de l'autre. Mais alors, dans ce contexte, est-ce qu'on peut prévoir ce que vont faire les banques ? Les banques sont en quelque sorte coincées dans un étau entre la volonté de distribuer des crédits parce que c'est leur métier, à très faible marge, on l'a vu, voire à perte, concurrence oblige, et le coût de refinancement de ces crédits qui n'est pas aussi bas que je viens de le dire. Il faut en effet tenir compte d'une rémunération de l'épargne souvent trop élevée par rapport au coût de l'argent. Le plan épargne logement, par exemple, est à 2% et le livret à 1%. Ce sont des produits d'épargne encadrés et sont ostensiblement trop bien rémunérés au regard du coût de l'argent. Politiquement, c'est bien pour les épargnants. Financièrement, c'est un contresens pour les banques. Est-ce que cela veut dire que les banques ne vont plus octroyer autant de crédits ? Non, pas nécessairement. Mais soyons conscients, les banques n'ont plus de marge de manœuvre sur les crédits à l'immobilier. D'une part, on vient de le voir, le coût de refinancement est finalement trop cher par rapport au taux de crédit octroyé pour permettre de couvrir tous les coûts du risque que nous avons vu. D'autre part, il y a encore quelques mois, le fait de ne pas avoir de courbe plate, j'en ai parlé il y a quelques minutes, permettait d'arbitrer la durée de refinancement et de dégager une marge dite financière qui pouvait, le cas échéant, permettre d'améliorer le taux au crédit immobilier octroyé aux clients. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il faut en conclure que les taux de crédit à l'immobilier vont nécessairement remonter ? C'est une des options, effectivement. À quel horizon, on ne sait pas, mais on peut aussi envisager un autre scénario. Un maintien des taux aussi bas, avec une demande qui reste faible, des encours de crédit dans le bilan des banques qui se réduisent parfois, on a les conditions pour que beaucoup de banques envisagent de pousser les feux sur les crédits pour mieux mutualiser leurs coûts de refinancement, chers et moins chers. Le volume fera baisser le taux de refinancement moyen et permettra donc ainsi de maintenir un volume de crédit à des taux bas. Eh bien merci Michel Mondet pour ce décryptage, merci. Merci à vous.